Ce week-end, c'était un moment très spécial pour la team Ecofrugal, puisqu'on était tous sur le pont depuis plusieurs semaines pour préparer en fait le lancement de notre site internet monatelier-ecofrugal.fr. C'est un événement qui était ouvert à tous. On a eu des blogueurs également qui ont participé. Et la journée était divisée en trois temps. Tout d'abord, on a commencé avec un repas zéro déchet végétarien offert à tous. Puis ensuite, on a enchaîné sur les ateliers Ecofrugo, donc mon atelier Ecofrugal Alimentation, mon atelier Ecofrugal Zéro Déchet, avec à chaque fois 12 participants et un fil conducteur, les 11 commandements. Bon, bah, on est ravis de vous avoir aussi nombreux, un jour de fou. Donc dans le petit teaser que j'ai envoyé aux journalistes aussi, on a proposé... Et puis on a terminé avec des ateliers pratico-pratiques qui étaient présentés et animés par des blogueurs et des blogueuses. On avait la Greener Family qui nous a montré comment faire des étuis de lunettes à partir de textiles récup. On a eu également Camille qui nous a expliqué comment fabriquer des éponges récup, les fameuses Tawashi. Et puis on a eu l'honneur également d'avoir Aline du blog Consommons sainement et l'auteur du livre Zéro plastique, zéro toxique. Donc tout ça, c'était un ensemble d'événements assez divers qui ont permis en fait aux gens de partager un moment chaleureux autour de valeurs communes, c'est-à-dire la défense de l'environnement et le partage de solutions éco-responsables. Alors, on peut le faire. La pression du direct. Ce qui était vraiment intéressant, c'était de pouvoir partager et de voir en fait les choses faites devant soi. Je crois que de manière générale, on doit continuer à la fois à proposer des solutions, à la fois à proposer des accompagnements, être partenaire sur les différents types d'ateliers qui vont pouvoir être créés demain pour les différents types de publics. En tout cas, merci d'être là, nombreux aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles Philippe est là, parce qu'on a les mêmes convictions. Alors, la Greener Family, c'est nous deux plus nos deux enfants, donc quatre personnes. Et c'est un univers qu'on a créé il y a à peu près 4 ans quand on s'est lancé dans une démarche zéro déchet. Et donc, c'est génial de pouvoir échanger avec eux. Et l'atelier Ecofrugal, ça nous donne le support, voilà, pour se sentir aussi à l'aise avec tout ça. Moi, le système des ateliers Ecofrugo, je trouve ça vraiment génial parce que ça montre bien que, quelle que soit la personne qu'on est, on peut faire sa part, en parler autour de soi, partager ces astuces-là. Ces astuces tellement simples, tellement concrètes, c'est du pratico-pratique. Je trouve ça super beau d'inciter les gens à se réunir pour partager les petites astuces finalement. Et moi, je le conseille vraiment beaucoup autour de moi. Est-ce que vous utilisez des outils pour ça ? C'est quand même une grande conversation à plusieurs. On oriente un petit peu, mais c'était assez simple parce que voilà, on a le déroulé, les sujets qui sont connectés les uns aux autres. Donc on bascule parfois de thématiques et on revient, mais globalement c'était assez simple, vraiment. Ça sent la Cléopâtre. Merci d'avoir été présent à cette première. Ça a été un moment très chaleureux, très convivial pour vous, mais aussi pour la team. Et puis surtout, chacun d'entre vous qui vous reconnaissez dans nos valeurs, dans notre ambition, qui avait été touché par notre démarche, inscrivez-vous sur monateliercofrugal.fr. Merci à tous.